Voilà, vous êtes content maintenant? Il fallait bien que ça arrive. Et je l'avais dit. Enfin, non, je l'avais pas dit, mais j'étais sûre que ça arriverait. Il faudra encore un mort pour que vous arrêtiez vos conneries, c'est ça? Donc le prochain qui poste, c'est que c'est vraiment un abruti. Moi, je sais que je suis pas un abruti. Ce blog va montrer la vérité. La vérité. La seule chose qui compte. Maintenant, faut savoir qui a fait ça. Pour que la justice et tout, là. C'est ça, le journalisme. On va le retrouver, hein. On va le faire pire encore. Pire. Cric, cric, bam. Ladji et moi, on s'était connus en CP. La directrice de l'école avait alors convoqué nos mères. Parce qu'on s'était battus dans la cour. C'est à partir de ce moment que nos parents sont devenus les meilleurs amis du monde. Et du coup, nous aussi. On forma nous tous une seule famille. Et peu importe qu'on venait de deux cités différentes, rien ne pouvait nous séparer. Les camps, à peu près d'égale force, avaient commencé la bataille par le duel collectif de cailloux. Et puis ces munitions manquant, d'enjambée en enjambée, de saut en saut en avant, on s'était tout de même affrontés et colletés. On se battait ce soir-là. Le trésor, gonflé de boutons de toutes sortes et de toutes tailles. Inès, reprends la lecture, s'il te plaît. C'est quelle page? Page 231. Ce fut le jour, si l'on peut dire, des initiatives individuelles et des corps à corps. Excusez-moi, madame. Oui. Il y a un truc que je comprends pas dans le livre. Dis-moi. Je sais pas, il n'y a jamais les keufs dedans. Donc s'il n'y a jamais les keufs, il n'y a jamais de garde à vue. Pour moi, c'est pas crédible. Ben voilà. C'est exactement ça qu'on essaie d'étudier avec ce roman. On essaie de comprendre en quoi la violence des jeunes a changé, si elle a augmenté, et surtout, comment la société d'aujourd'hui essaie madame, de... Madame, je vais pas vous vexer, mais vous croyez qu'on est sur ce truc? Ça va arrêter la guerre entre nous? Ça permet de réfléchir. Mais si, dans la classe, ils font tous les hypocrites. Et dehors, c'est plus la même chose. C'est nul comme réaction. En plus, vous savez même pas pourquoi vous vous battez. Mais vas-y, je parle pas avec toi. Moi, je sais une chose. J'habite autour et je suis en guerre avec ces deux cubes. C'est comme ça, madame, je cherchais pas à comprendre. De toute façon, toi, t'es qu'une victime. Y'a que l'écoute, tu comprends. Oh. Et si tu veux un deuxième coca, rendez-vous sur ta Gladji. Allez, reprenez. Madame, moi, je propose qu'on fasse un blog entre nous tous et que chacun s'exprime par webcam. Je pense que ça ferait mieux avancer les choses que ce vieux truc-là. Je ne crois pas. Tu sais, un blog, c'est tenu comme un vrai journaliste. Et je crois pas que tu en sois capable pour l'instant. Et pourquoi j'en serais pas capable? De toute façon, on est en démocratie, je suis libre de faire ce que je veux. D'ailleurs, je vais le faire avec Ladji et Youssef. Avec eux, c'est parfait. Ils viennent des deux cités qui se battent. Bon, allez. On reprend la lecture, page 231. Bonjour. Bonjour. Slimane et Ladji sont convoqués chez CPE. Quoi? La bagarre de ce matin, ça vous rappelle rien? Mais c'était à l'extérieur. Ouais, et levez-vous. Ladji, dépêche-toi. Vole comme un papillon. Pique comme une abeille. Merci. On reprend. Les camps, à peu près d'égale force, avaient commencé la bataille par le duel collectif de cailloux. Vas-y, toi, Inès, comment tu fais? Trop t'as révolté? Comment tu nous affiches grave avec tes plans bizarres devant la prof? Je crois que t'as pas besoin de moi pour te faire remarquer. Allez, venez chez moi cet après-midi, on lance le blog. Rien à foutre de la prof. Non, on a déjà un truc de prévu, là. Ah ouais, quoi? Youssef fait un documentaire sur moi. Putain, Rudy, faut me niquer ce fils de pute. Ah, vas-y, cassez-vous, les petits, là. Hey, qu'est-ce qui te fait rire, toi? C'est toujours ça qui arrive quand on sait pas tenir sa garde. Vas-y, laisse-le, c'est un petit. Et toi, arrête de provoquer. Vas-y, casse-toi.
Allô, maman? Vite, vite, il arrive, vite! Rangez tout! Bonjour. Putain, vous avez pas de maison ou quoi? Quoi? Tu veux le faire ton blog? Bah ouais. Suis-moi, j'ai un scoop. Et tu sais prendre ton caméscope, allez. Avec ça à faire, vous bagarrez. Je comprends pas. Je croyais que ce bloc devait servir à la paix. Super innocent, trop bonne idée ton truc. Moi je m'en fous, hein. Je pose juste pour dire que si la prof elle voit ça, elle va être furax. Oh Thomas, Rudy il est trop vif, comment elle est minable, t'as vu? Vas-y, viens, vas-y. Non mais c'est sérieux là. Franchement c'est du n'importe quoi ce bloc. C'est violent. Il lui a mis un coup là. J'espère Nabil s'est pas cassé, parce que putain il est trop beau. Vous allez voir les RG qui vont débarquer chez vous. Les RG? C'est la guerre! C'est la guerre, négro! Hey, on va tous vous niquer, c'est de la cité des cubes, vous voulez jouer les shows? Eh hey, mais tu te crois dans un film? Mets la vidéo. Franchement, il est trop fort, Rudy. Joyeux anniversaire. Surprise! J'étais trop bien piégé. Il y a tout dessus. Vidéo, photo, musique. Et j'espère qu'il fait téléphone quand même. Merci. Attention. Ça va quand même. Encore, fais un tour. Fais attention à toi, Spielberg. Laisse-le, vas-y. Je vous présente Youssef. Youssef, c'est comme mon frère. Si vous croyez qu'il va vous dire un mot, bah, vous pouvez attendre autant. Lui, c'est le genre de Bernardo, vous savez, le pote de Zorro, ça qui fait... Il parle pas, mais il entend tout. Depuis tout petit, on y a une école, mais 5 doigts de la main. Youssef et moi, on forme une vraie équipe. Bah, vas-y, raconte comment vous êtes devenus amis. Tu veux lui dire? On devait avoir 7 ou 8 ans, un truc comme ça, c'est... Aki, va dans le premier. Au tout départ... C'était juste une guerre entre gosses, un truc pas bien méchant. Mais très vite, ça a dégénéré. Le blog, il devait parler de ça. Des embrouilles entre les deux cités. Mesdames et messieurs, affichant 18 heures par KO, je vous présente la courgible, la dit. Il pique comme la paix et vole comme le papillon. La dit, à chaque embrouille avec les mecs des tours, il pouvait pas s'empêcher d'y aller.
quitter. Si tu sais quelque chose, faut me le dire. Je sais rien. Nordine. Je sais rien, voilà. Ça brille. Ça vous dit quelque chose? Non? Il a tué Zach il y a 3 ans. Zach s'est fait assassiner. Les mecs de la tour l'ont tabassé à 10 au moins. Et ils l'ont tiré dessus. Tout le monde l'a déjà oublié. Il est mort pour rien. Et ceux qui l'ont tué sont tranquillement dehors. Zach, c'était mon frère. Et moi et ma famille, on l'oubliera jamais. Sabri? Mais... Assalamu alaikum, Jaya. Entre, entre. Jaya? Désolé. J'ai pas prévenu. Passage. Je peux m'en aller si tu veux. Non. Installe-toi dans la chambre de tes frères en attendant. C'est pour qui? Youssef. Mashallah. T'es sorti aujourd'hui. Il y a un mois. Et c'est que maintenant que tu vas nous voir. T'as quoi au visage? Comment ça? Ça? C'est rien. Mais ça brille. Ils vont tous péter un plomb dans le quartier, quoi. Mais vas-y, toi, frappe avant d'entrer. Tu parles à qui, là, comme ça? Mais tu te prends pour qui? Mais tu crois que t'es capable de la remplacer? Mais jamais tu seras à sa hauteur. Ouais, tu fais quoi, là? Il est devenu pire que toi.
Depuis la mort de maman, je ne peux plus le contrôler. T'inquiète pas, je vais lui parler. Pourquoi t'as refusé les visites ? Ça me fait plaisir de te voir, Sabri. T'as pris, non ? Hmm ? Bah quoi ? Quoi ? Rien. Allez, allez, dépêchez-vous, il arrive là, vite ! Cachez-vous là, là. Mais t'as vu comment il se comporte? J'en sais rien, moi. Là, tu verras. Vas-y, viens, on recommence et tu verras. Comme tu veux, mais si tu perds la troisième, mec, c'est direct dans la forêt pour creuser un trou et tu caches ta honte. Hey, Youssef, vas-y, filme-moi et tu verras comment je vais faire taire ton meilleur pote, là. T'inquiète, si tu veux, je te prête une pelle. C'est quoi, c'est du concret? Tu penses avoir un avenir dedans? Ah, franchement, là, pour l'instant, ça marche bien, là. Mon album, il sort bientôt et avec l'argent, Inch'Allah, je vais faire sortir ma famille d'ici. Hey, Youssef, arrête de filmer un peu. Café ? Deux. Et referme derrière toi, s'il te plaît. Youssef. Et Naïla ? Quoi, Naïla ? Je sais pas. Avec qui elle traîne, si elle est avec quelqu'un. Des trucs comme ça. Moi, j'entends rien de spécial sur elle. Eh, Sabri, Naïla, elle a grandi. Hein. Et t'inquiète, elle sait se défendre. Et toi ? T'as une copine ? T'es jeune, t'as raison, profite. Eh, tu sais, les gars de chez moi, ils ont pas oublié pour le meurtre de Zach. Ils attendaient que tu sortes pour se venger. C'est pas moi qui ai tiré sur Zach. J'ai pas balancé. Et j'ai payé pour ça. Omar. Faut que je purifie ma conscience avec l'aide de Dieu. Tu comprends? Fais attention, Sabri. Fais attention. Très bien, petit conduit, Youssef. Le temps file. Merci. Dehors, j'arrive. Sabri. Plaisir de te revoir, frérot. Là, on n'a pas oublié ce que t'as fait pour nous, t'inquiète. Vous avez juste oublié de payer l'avocat. C'est quoi le problème? Je t'ai parlé à toi. Écoute, Djibril, faut plus venir chez moi, ok? Réfléchis bien ce que t'es en train de faire, Sabri. Je veux plus rien avoir à faire avec toi, avec les autres.
Fais passer le message. C'est comme si c'était fait. Nordine, je vais en cours. Il est dans un coma réactif ou je sais plus quoi, mais c'est grave. Oma. Ils ont dit aussi qu'il pouvait se réveiller à n'importe quel moment. Mais qui a fait ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai oublié les bougies chez moi. Ah, c'est pas grave, il doit en rester dans la cuisine. Jaya, non. Aujourd'hui, on travaille pas. Youssef arrive. Bonjour. Nordine, tu vas où, là? Je vais au foot. Ah, les enfants. Comme le disait Khalil Gibran, nos enfants ne sont pas nos enfants. Et bien qu'ils soient avec nous, ils ne nous appartiennent pas. Pff, parle pour toi, monsieur le philosophe. Moi, mes enfants sont à moi. Donc, j'étais avec tout mon attirail de nettoyage en train de longer le grand couloir du deuxième. Là où il y a tous les stylistes qui sont en train de travailler d'arrache-pied pour inventer les nouvelles coupes. Eh, hey, mais celle-là, tu l'as déjà racontée. Continue, Mohamed. Ladji dit ça pour t'embêter. Après, ça sera à toi de raconter l'histoire. Maintenant. Alors, voilà que je roulais avec mon chariot. J'arrive au niveau de la salle 63, où il y a deux bonhommes qui sortent. Le plus petit, il dit à l'autre, « Tu es un incapable, je te laisse une heure pour trouver une solution, sinon... je te vire. » Le petit disparaît au fond du couloir. L'autre, il rentre dans la salle, il travaille. Au bout de 5 minutes, il claque la porte désespéré.
comme vous le savez, au bled, ma mère, elle m'avait appris... La couture. Ah, vous connaissez l'histoire. Vas-y, pousse-toi, là. Cette façon d'être, s'habiller, c'est pas comme ça que je l'ai élevé. Non, ça veut rien dire du tout. Ah bah vous verrez que bientôt, il faudra que tout soit halal. Tu penses quoi, Jeanne? Ah, on peut pas savoir, Mohamed. Alhamdoulilah, c'est bien qu'il ait changé. Les hommes, ils changent pas. Ils essaient. C'est la seule manière de le savoir. Hein. Laquelle? Bah, tu te poses et tu discutes avec lui. Mais alors, Youssef, tu filmes pas avec ton nouveau téléphone? Youssef, s'il te plaît, demande à Omar et Sarah s'ils veulent du café. Ah, c'est niqué, mon gars! Putain, mon médaille, t'as mis un chaos technique! Je te croyais plus fort, Nordine! Mais en même temps, normal! T'as un mec des tours! T'as vas-y, viens, recommence et tu verras. Ils étaient pas halal? De quoi? Un gâteau. Ils étaient pas halal. Papa? J'ai changé. Ah ouais, je vois bien. Ouais. La question, c'est de savoir si c'est en mal ou en pire. En bien, Inch'Allah. Youssef, arrête de filmer, là. Non, non, mon fils, filme. Filme. C'est pas tous les jours qu'on a un ami du prophète qui vient boire un café à la maison. Astaghfirullah. Allez, Youssef, prépare-toi pour aller à l'école, s'il te plaît. Allez. Allô, papa? Entendez parler de quoi que ce soit, prévenez-nous. Les gosses finissent toujours par parler. Tenez. Voici ma carte au commissariat. Merci. Jaya.
Allez, viens, on va aller le voir. On tue nos enfants, même à l'école. L'école y est pour rien. Ladji est vivant, Jaya. Et il a besoin de toi. Faut garder espoir, c'est important. Alors ? Attends. Allez, petit, rentrez chez vous. S'il vous plaît, rentrez. Ce qu'ils viennent de faire à Ladji, ça passe pas, mon frère. Ça passe pas. Mais t'inquiète pas, on va le retrouver, l'enculé qui a fait ça. Alors on va le tuer. Et toi? Ton frère s'est fait virer 3 jours. Faudrait que tu lui parles. Il a fait quoi encore? À ton avis. Vas-y, viens, on y va, j'ai qu'une heure pour acheter le cadeau. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Apparemment, ton frère, il est sorti. Ben quoi? Et son discours? T'es sûr c'est ton meilleur pote lui là? Merci. Quoi, j'aurais dû? Laisse-moi récupérer à 21h. Bah non, ce soir je peux pas, j'ai studio. Non, mais ça peut pas attendre, faut que je te parle. D'accord? C'est la manette. C'est moi, je te dis. Naïla, Omar, choisissez votre camp. Il reste une part de gâteau. On la met en jeu. Alors, Naïla, t'es pour qui? Bah, je suis pour mon frère. Bam, bam. Et toi, Omar? Moi, je suis pour le gâteau, petit frère. Ouais, K.O. K.O. Je t'ai mis K.O. J'ai trop peur. K.O. K.O.
putain de jeu. J'en connais les règles. Je suis pas le pigeon mais le chasseur. J'irai shooter les aigles. Je les ferai douter de leurs ailes. On m'appelle des O2LARS. Mon flot t'envoie au 7ème ciel. C'est max dollar. Je viens balancer des rafales. Comme un crève lactal sur le buffet, je m'affale. Jamais rassasié, mec, je suis un gros morphale. Si tu touches à ma famille, c'est sûr. Putain. Omar, on reprend. Hein, remets-moi au refrain, s'il te plaît. Le rap, un putain de jeu. J'en connais les règles. Je suis pas le. Vas-y, 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 ça me casse les couilles, là. Attends. Hey, oh, oh. Tu joues à quoi, là? On a un album à terminer, je te le rappelle. Si tu veux rentrer dans la cour des grands, faut taffer. Omar, je te paye pour ça. Tu saisis? Et sans moi, comment tu le fais, ton oseille? Ouais, je vais bien ou quoi, les gars? Bien, Omar. T'as appris la nouvelle? Quoi? Ce fils de pute de Sabri, il est enfin sorti. Ah ouais. Eh, hey, c'est maintenant. Si, si. Naila, écoute-moi. Comment tu peux me demander ça? Mais c'est trop tôt. Tu t'emballes. Oh, réfléchis un peu. Réfléchir? Mais putain, mais Omar, mais si j'avais réfléchi, on serait pas là, toi et moi. Tu veux faire? C'est par là que t'aurais dû commencer, non? Ouais, mais excuse-moi, je m'attendais pas à ce que tu m'annonces un truc pareil. C'est pas un truc. Donc tu veux le garder? Tu veux le garder? Vas-y, monte. Allez encore, allez encore.
Ça va pas? Tranquille. Tous. Bien quoi? Il se passe les cours? Ouais. Tu fous de ma gueule ou quoi? Je suis au courant pour hier. Ah, c'est rien, c'est juste une bagarre avec un mec des tours, il m'a manqué de respect. Et je pouvais pas laisser passer ça. Youssef? Vas-y, bon quoi. Hé, hey, Latch! Hé, hey, fais attention à toi! Allez, vas-y. Et si Ladji se réveille pas? Il fallait réfléchir avant. Tu fais le grand, tu joues le kid, mais... Mais regarde-toi maintenant. Ladji. C'est comme ton petit frère. Nordine! Nordine! Arrête! Qu'est-ce qu'il y a? Je suis allée voir Ladji. Il a des tuyaux dans la bouche. Tout le monde sait le nom des coupables. Ça me tue. C'est peut-être ceux de ta cité. Nabil, sa bande. Peut-être même ton frère. C'est Nordine, c'est ça? Youssef, si tu me réponds pas, ça veut dire que c'est lui. Aujourd'hui, je suis allée voir mon ami Ladji à l'hôpital. Il ne s'est toujours pas réveillé. En le regardant, j'ai souhaité de tout mon cœur qu'il puisse bouger un peu. Mais non. Il est resté immobile tout le temps. Je lui ai fait la promesse que tout le monde puisse connaître un jour le nom de celui qui lui avait fait ça. Aujourd'hui, je sais que c'est Nordine le coupable. Et ben voilà, il fallait qu'il y ait un blast qui sorte. Non mais sérieux, Inès, franchement.
C'est pas bien d'accuser les gens comme ça. On sait c'est qui ? C'est ouais, Nordine. Nordine ? C'est Nordine. C'est Nordine. Truc de ouf. Jamais j'aurais cru. Youssef, il doit avoir trop les nerfs, le pauvre, alors. Sondage auprès des internautes. Inès, est-elle une journaliste ou une balance ? On sait que c'est lui maintenant, il va crever. Attends, elle a encore un autre pote hein, qui m'a dit que l'histoire des RG, c'est vrai. Franchement, prenez pas ça au sérieux. Oui, alors, j'ai contacté les RG. Pas cool. Inès serait un agent infiltré. Faut d'abord en parler à la police. N'importe quoi. Il y avait qui avec toi ? Personne. Faut l'envoyer au bled dès demain. Au bled ? Le commissariat plutôt, ouais. C'est un accident. Ils vont pas chercher à comprendre, ils vont l'enfermer direct. Mais tu vas dire quoi, Jaya ? Hein ? Tu vas dire quoi ? Il l'a pas fait exprès ? C'est un accident ? On l'a envoyé au bled pour le punir ? Mais pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi t'as fait mais ça ? Putain, arrêtez de vous prendre la tête pour moi ! J'ai pas envie d'aller au bled ! Et si je dois aller en prison, bah j'irai ! Charlie ! Arrête ! Arrête ! Allô, Naïla, c'est Omar. Bon, j'entends des trucs chelous sur Nordine, comme quoi ce serait peut-être lui qui... Bref, faut que je sache rapidement. Omar, écoute. Je suis désolé pour ton petit frère. Mais réfléchis, tu vas tout perdre. Omar, déconne pas. Mais les gars, j'ai parlé à Sabri. Et d'où tu parles avec lui, toi ? Il m'a dit que c'est pas lui qui a tiré sur Zay. Il ment. Et pourquoi ils m'ont tiré ? Parce qu'il a raf. Ouais, franchement, les gars, il avait pas l'air d'avoir peur. Bah, il devrait. Eh, hey, mais là, ça arrête de bloquer sur lui, c'est du passé. Eh, hey, t'es avec ou contre nous ? Ça arrête de parler, là. C'est fini, le bloc. Sur la tête de ma mère là, on va faire une descente chez vous. Mais écoute, on vous attend, vous voulez jouer les champs ? Assumez maintenant et vous savez tous où nous trouver, on sait que vous allez pas venir. Moi je kiffe ce bloc, c'est mieux que le 21. On est au courant de tout. Ce soir ça va être le feu. Eh, hey, j'ai pas envie de faire comme Nordine moi. Faut que je me casse avant de me prendre une balle. Inès, s'il te reste un semblant d'intelligence, tu aurais peut-être la formidable idée de ne plus laisser les débiles prendre la parole. Thank you.
Amandine. Omar. Si la Jean Arjen mourait, tu penses que ça ferait plus mal que quand maman est morte? On m'a dit qu'il essayait de le protéger de la bagarre quand ça arrivait. Il y a eu une descente ce soir. Ça a tiré. T'étais dedans? Non. Et là, j'y étais. C'est pas moi qui ai tué. Mais tu étais pourquoi? Pour tuer mon frère? C'est ton frère qui a tué le mien. Oui, mon fils a fugué hier soir, oui. Oui, il est mineur. Je pense qu'il a quelque chose à voir dans l'histoire de Ladji Diallo. Au commissariat cet après-midi. Au revoir. Un café? Merci, je peux me servir. Prévenu la police. T'es comme les autres, tu veux l'envoyer au bled? Mais c'était un accident. C'est pas un criminel. Mais tu comptes faire quoi? Je sais pas, mais au moins attendre un petit peu avant que... Que les flics débarquent à l'aube? Comme pour Sabri? Tu te rappelles pas? Pourtant t'étais là. Ils ont pas amené les croissants ce matin-là. Je te comprends pas. Tu me comprends pas? Un jour, tu me comprendras. Tu penses que j'aille aller chez elle ou à l'hôpital? Je sais pas. Tu sais pas? Tu comprends pas? Tu crois que tu vas arriver à trouver la chambre de ton petit frère pour lui dire que le petit déjeuner est servi? Il est toujours pas rentré? Bah si t'as prié pour qu'il rentre, il devrait pas tarder à arriver. Tu t'imagines quoi de moi? Laisse tomber.
Il y a eu des coups de feu hier soir. Peut-être que ça va t'obliger à t'occuper du cas de Nordine. Promis à ma femme. On est rivière, on ne peut pas revenir en arrière. Faut aller de l'avant, Jaya. Il n'y a plus rien devant, Mohamed. Tes fils ont trop de sang sur les mains. Non, il est dans le même état, mais c'est juste que... Oh, Youssef. Hein? C'est difficile pour nous tous. Il faut qu'il se réveille maintenant. Youssef. Youssef. T'as des nouvelles de Nordine? Non. Hé, hey, Naïla, on aurait dû le dire dès le début pour nous. Ça aurait changé quoi? Tout. Ou rien. Youssef, on y va. Youssef. On s'en fout du nom du coupable. Ce qui est fait est fait. Ce qui me dégoûte le plus, c'est le genre de meuf comme toi, Inès, qui ont besoin d'exister au travers du malheur des autres. Tu connais quoi de la souffrance de ceux qui perdent un proche? Tu connais quoi de la cité, toi? J'arrive pas à croire qu'il ait donné son propre fils. Tu voulais qu'il fasse quoi? Aller voir les flics, c'était la meilleure chose à faire. Alors dans cette famille, y a personne qui se soucie de Nordine? Parce que tout le monde sait ce qu'il a fait. Tu penses ça aussi? Donne-moi le numéro de moi. Je l'ai pas. Arrête de mentir, Naïla, j'ai vu. T'as rien vu, arrête ta parano. Pardonne de la plus belle manière qui soit. Mais tu t'entends. T'es là avec tes belles phrases et ta barbe. Tu crois que ça fait de toi un sage? T'arrives à la maison, tu te poses tranquillement, comme si rien ne s'était passé. Et maintenant, tu dis à tout le monde comment il faut vivre. Alors c'est comme ça que tu me vois, toi aussi? T'étais où, toi? T'étais où? T'étais où quand maman est tombée malade? Hein? Pas une seule seconde.
Pas une seule seconde, tu t'es posé la question de pourquoi et à cause de qui elle a eu ce putain de cancer. Pas une seule seconde. Pas une seule seconde, tu t'es posé la question. Et tu crois que maintenant, c'est ta religion là qui va changer quelque chose, hein? Leïla! Je choisis d'aller en prison pour protéger ma famille. La religion n'a rien à voir dans tout ça. C'est vrai que le temps il s'arrêtait pour toi, mais pas pour nous. Savez-vous, ça va refroidir. Sa maman, elle est couturière, non? Non, je me disais parce que on a les commandes en retard en attendant que Jaya. T'enterres les vivants. Non. J'avance avec les vivants. Mais en fait, t'as pas de cœur. La Nordine a disparu, tu fais comme si de rien n'était. Et quand maman est morte, t'as même pas pleuré. C'est bon, Naïla, arrête. Il descendra pas. Allez, viens, on se bat. On attend. Ma mère est partie trop tôt. Trop vite. Je voudrais tellement qu'elle soit là, avec nous, maintenant. Et que tout redevienne comme avant. Papa? Papa? Pourquoi vous avez enterré maman au bled?
Omar, c'est Sabri. Omar, c'était là, ouvre la porte. Faut qu'on se parle tous les deux. Jaya, c'est toi? Jaya, ouvre, s'il te plaît. Si tu sais quelque chose, Omar doit me le dire. Jaya, ouvre, s'il te plaît. T'as balancé? Parce qu'il le fallait. Eh, faut que t'arrêtes le blog maintenant. Youssef, je voulais juste la vérité. T'es qui pour faire la justice, toi? Je suis désolée, Youssef. On n'aurait jamais dû faire le blog. Le blog n'a rien à voir là-dedans. T'inquiète, c'est pas de ta faute. Tu peux reprendre tout ce qu'il y a à moi. Mais la PlayStation, t'as pas intérêt à la revendre. Une fois que je me serai rendu, tout se calmera. Mais toi, en attendant, tu fais bien tout ce que je t'ai dit. T'as compris? Vas-y, fais. Je m'appelle Nordine. J'ai 15 ans. Et j'ai fait quelque chose de grave. Arrête de filmer là! Hey Youssef, cours, cours, cours! Attrape-le! Viens là, enfoiré! Ah, vas-y, lâchez-moi là! Là-dedans. Ah, lâchez-moi, vas-y, c'est bon là! Youssef, pars! Ferme ta gueule!
T'es sûr qu'Omar n'était pas là-bas? Je l'appelle. Omar enregistre un album au studio. La Sana et Faisal sont toujours avec lui et Nordine doit être là-bas. Omar et moi, on va avoir un enfant. Viens là. Vas-y, monte dans la voiture. Hey, tu fais quoi, là? Il est à moi. C'est ce que t'as dit ou pas? Je veux voir ce que tu vas lui faire. Y a rien à voir. Ton petit frère, il est à l'hôpital, c'est à cause de ce bâtard. Tu dois te venger, c'est comme ça. Mais alors, c'est mon frère. C'est pas le tien. Je m'appelle Nordine. J'ai 15 ans. Et j'ai fait quelque chose de grave. J'ai pas vraiment eu le choix de choisir qui j'allais être dans le quartier. Pour moi, les jeux étaient faits le jour où mon grand frère Sabri est devenu un exemple dans la cité. J'ai fait du mal à ma famille. J'ai fait du mal à ma famille pour être ce que les autres voulaient que je sois. J'aurais dû être plus fort. J'aurais dû. Il est où mon petit frère?
C'est Omar qui l'a pris. C'est moi qui ai le calibre aujourd'hui. Ouais, bah si t'étais malin, tu ferais mieux t'en débarrasser. Pourquoi tu racontes à tout le monde que c'est pas toi qui as tiré sur Zach? Parce que c'est vrai. C'est qui alors? Nordine est avec Omar devant la porte. Papa, il répond pas. Papa, ça va? Nordine est là. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Elle me manque. Pardon. Escaliers. Thank you.
Il paraît qu'on peut avoir deux vies dans une seule vie. Et j'avais l'impression que ça m'arrivait maintenant. Je me sentais pousser des ailes. Je voulais crier dans tout le quartier qu'ils s'étaient réveillés. Comme pour prouver que notre amitié était plus forte que leur haine. Mais les abeilles sont arrivées. C'est à mon tour de la rejoindre. J'arrive, maman. J'arrive. Je vole comme un papillon. Merci, maman. Merci. Je suis jalouse. Je moque des livres. Yeah.
last.